Je t'adore. Je t'adore. En tout cas, là, c'est la routine quotidienne. C'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà. Un dimanche, mais bon. Le travail, c'est quand c'est fait. Ça continue et c'est tous les jours. Là, mais c'est comme ça. On va aller sans sujet. Je vais me suivre. J'ai l'habitude d'utiliser on est dimanche, je crois qu'on va prendre la 4-4. Ça peut être plus pour la 4-4. C'est pas mieux. Voilà, c'est parti. Là, c'est un livre qui m'a été donné par mon coach à l'université. Il y a des systèmes de jeu dedans. Je vais pas montrer le nom parce que voilà, je ne veux pas que vous voulez mon site. Voilà. Allez, Béafrica News, je vous invite à les jeunes d'abord que voilà, vous venez découvrir mon quotidien sportif. Ben voilà, Béafrica News, bienvenue. Donc là, je vous amène à découvrir mon quotidien sportif. Enfin, ce que je fais pour maintenir ce côté de vie sportif. Donc voilà, aujourd'hui, bien qu'on est dimanche, mais j'ai toujours... petit programme pour me rendre à la gym en salle, faire un peu de pliométrique avec les petits exercices des jambes et un peu de séance en tir en condition de match. Donc on est en train de se rendre là-bas et donc voilà, rendez-vous dans 2 minutes parce que la gym n'est pas vraiment très loin de là où j'habite. Donc, on se... Amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dimanche 18 février ici à Los Angeles en Californie. Donc aujourd'hui aura lieu le match des étoiles, hein, mais nous sommes également avec un joueur qui a toutes les mérites d'être une étoile centrafricaine, qui est Teddy Ndouba. Donc nous sommes en sa compagnie, on se dirige vers la salle d'entraînement où l'on va assister à son premier entraînement depuis notre séjour ici en Californie. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour quelques images où le public pourra découvrir le talent, le potentiel de ce joueur tant snobé par la Fédération Centrafricaine de Basketball, parce que cela fait quand même de nombreuses années qu'il joue au basket. Ben voilà, on est déjà arrivé. En fait, c'est un groupe folklorique ivoirien que j'apprécie beaucoup parce qu'il parle que de la réalité, de la vie. Donc voilà. Voilà, on est arrivé. Donc vous pouvez me suivre. Allez, à Guise.
Je ne sais pas ce que je fais et puis toi tu m'as fait. Barak ou Mamalo. Bonjour Joe Asumisu. Asaki Midoumae. Bonjour Joe Asumisu. Bonjour Joe Asaki Midoumae. Alexandra. Ça t'a fait quoi le haut. Rako Fille, c'est de balles et on va voir le truc voilà. Allez, l'aventure commence, allons en salle. On arrive à la destination. Ah, mais c'est déjà mitaine à moi là. Suivez-moi, Africa Basketball. Voilà, ça c'est un complexe dans lequel la gym dans laquelle je m'entraîne se trouve. Voilà, je suis en train de vous le voir, c'est une gym qui est organisée par Magic Johnson. Et donc voilà, et là je m'entraîne quand je suis en route. Bon, là je vais vous inviter à venir voir avec moi ce que les gens ne voient pas. On fait dans les coulisses, près de nous, le basket. Les tirs manqués, les tirs ratés, les fatigues et tout. Là, je suis en train de découvrir avec Lenny. Voilà. No, you know, you cannot put you on it without asking you, so you know what I mean, it's all about me. What's going on? Well, it's like a little documentary about my life and what I do, and that's the end. So, that's what I was going to ask. We only have a... Yes, man. 10 minutes, so show and run. Come and sign up. That's my little brother. We're both members, but it's a journalist, so he's just going to do... upstairs basketball court. Yes, has to be a day pass. Okay, can you give me for you? It's not even 20 minutes that we're gonna do with it. Oh, it's $20. Yeah, so that's avant là c'était des gens à la gym parce qu'il fallait vous inviter pour faire entrer. Donc ils avaient demandé un peu de petite routine et tout. Donc cela est fait. Alors, je vous remercie comme il est avec nous. Allez. Sans plus tarder, c'est des sections de travail ici. Et après, en haut, on parle de la fête. Voilà. Voilà.
Ben voilà, là c'est la première partie avant de se mettre sur le terrain. Voilà, là c'est un pied qui est du vin. J'aime trop ça parce que c'est souple. Voilà, je vais commencer à m'échauffer.
vivant. C'est bon, moi. Yang Bop. Bafga News, encore une fois, merci voilà, de votre temps, de votre patience. Voilà, j'ai mes venues, voilà, j'ai fini. C'était 2 heures d'entraînement, 2 séances. Donc j'ai fait 1 heure de basket, voilà, travailler, revoir un peu des fondamentaux, shooting, et comme vous avez eu à assister durant le tout, toutes les minutes de mon entraînement. Et après, ben voilà, dommage, vous n'avez pas pu me suivre dans la salle de musculation, mais bon, ça va déjà. Et donc là, on est en train de sortir de la gym pour rentrer et prendre un pot si ça, cela vous tente. Donc allez, sans plus tarder, allez, suivez-moi. Man, you're in high school, man? Yeah. Oh, what grade? 11. 11 grade? Oh, okay. Well, lui, ici, il est, il play, enfin, il joue aussi, c'est un élève de high school. Donc c'est un jeune qui, voilà, qui est prometteur, il travaille ici et voilà. Voilà, c'est un jeune, how old are you, man? 13. 13? Voilà, il a 13 ans. 13 ans, voilà. 13 ans, il est en première. Vous voyez? Donc le basket, en fait, ici, c'est pas qu'on dit. Il a 13 ans, il n'est pas à la maison. Le week-end, il devait être à la maison, mais il est là à la gym. What I'm trying to say is that you're 13 years old. You should be at home playing video games, but you're here playing, I mean, working the game, right, which is good, man. Because, right, man, I'm done playing overseas, and yeah, this is my little brother playing here. So we're doing a little documentary about us, you know, where we came from Africa and stuff like that. So this is to motivate the young kid of your age back home, you know what I mean? Okay. So nothing more, you know what I mean? Yep. So là, c'est juste pour vous motiver, bah, les jeunes, vous les jeunes qui auront la chance de voir ce petit clip. Voilà, c'est un jeune de 13 ans, il est aussi au lycée, mais il est là, à la gym, au lieu de rester jouer vidéo game et tout, il préfère rester travailler. Donc après, vous comprenez que d'ici 2-3 ans, s'il joue au niveau à l'université, c'est qu'il n'a pas fait magie, en fait, quoi. Donc en tout cas, what's your name, man? Anthony, yeah. What do you have to say, I mean, to like a guy of your age? Man, just keep working, man. Just go outside and play. I don't know if you, je ne sais pas si vous avez pris, il y a un conseil à donner aux jeunes. Yeah, man, what do you have to say to young guys of your age that are playing right now? Keep working, just keep grinding, just stay focused, stay in school. Voilà, il a dit, continue de travailler, rester focus, et concentré, et rester surtout à l'école, quoi. Mais le plus important, c'est de travailler le basket. C'est ça, c'est pas qu'on reste à la maison. On attend quand il y a une sortie d'équipe où il y a la présélection de son pays, quand on part courir un peu pour rester un peu en voilà, pour avoir les remises en jambes pour aller juste jouer. C'est un travail continuel. So you gotta work every day, right? Right. Okay. Every day. All right, man. Nice to meet you, bro. All right. Thank you. Appreciate it. Ouais, en fait, voilà. Le but de, enfin, c'est une occasion en fait pour moi de vous avoir, et je crois que juste pour clarifier ces choses, j'ai accepté de vous inviter pour enfin de vous faire découvrir mon quotidien, juste pour encourager certains jeunes qu'en centrafricains ou jeunes africains qui veulent poursuivre aussi leur rêve d'enfant, c'est-à-dire jouer au basket à les outils, de voir cela et de comprendre que c'est pas qu'en parlant ou c'est pas qu'en restant à la maison qu'on peut s'améliorer. On s'améliore que par le travail. Et juste cela dit que ça montre en fait ce que les gens font ici aux États-Unis. Et donc voilà, il faut, comme le jeune là, le jeune de 13 ans qu'on vient de rencontrer par hasard, il a dit, il faut rester, il faut concentrer, il faut travailler. Et donc c'est ça. Donc là c'est un quotidien que j'essaie de mon mieux de garder cela quand je joue pas, quand je suis en vacances, et surtout quand je me sens pas bien. Donc voilà, je me soigne par le sport, surtout le basket m'a donné beaucoup m'a ouvert beaucoup de portes. Voilà, j'ai rencontré grâce à cela beaucoup de gens, beaucoup de monde. J'ai voyagé dans le monde à cause du basket, et voilà. Je peux que remercier le bon Dieu et aussi l'amour du travail qu'il m'a donné à travers mes parents et mes éducateurs, les gens que j'ai eu dans ma vie, soit côté académique ou côté sportif ou côté civique, social. Donc voilà, on devient quelqu'un que par le travail et que c'est ça, quoi. Voilà.
Donc si nous, moi j'ai pas la chance d'aller très très loin, de jouer à un très super haut niveau, c'est parce que ben voilà, c'est peut-être quelque part mon travail m'a amené là, parce que là il y a des limites dans chaque chose. Mais sinon pour vous les jeunes, parce que la vidéo n'est pas seulement pour moi, parce que je gagne rien dedans. C'est pour vous aussi de voir, de comprendre, d'avoir des idées sur ce que les pros, voilà les pros, ce qu'ils font, ce qu'ils font et que qu'ils ne vous disent pas. C'est-à-dire que c'est le travail, concentration, focus, et puis beaucoup de travail, puis être respectueux. Et c'est tout quoi. Donc vraiment, en tout cas, merci Bay Africa News. On a longtemps parlé, échangé, mais voilà, aujourd'hui, grâce à vous et grâce au temps que Dieu a permis, vous êtes venu pour suivre le quotidien de cet humble et feignant joueur que je suis. Donc voilà, merci. C'était avec le centrafricain, le basketteur centrafricain qui réside ici à Los Angeles, Teddy Ndouba. Donc après cette longue interview, nous allons nous diriger vers le Staples Center où a lieu ce soir le match tant attendu des étoiles qui opposera la team LeBron James à la team Steph Curry. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Nous serons à la salle dans 2 heures très exactement. Mais en attendant, il va falloir manger parce que ici à Los Angeles, on m'a dit, je ne sais pas encore, c'est à vérifier qu'il y a de très bons plats, des plats mexicains. Donc portez-vous bien et on se donne rendez-vous dans 2 heures au Staples Center. Merci.